toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je suis revenue de mon voyage avec quelques souvenirs. Donc alors, on va tout de suite commencer le suivi d'élevage, comme d'hab. Donc avec l'axolote. Donc ma mère lui a donné à manger. Donc voilà. Il est super bien. Le seul problème, c'est que l'eau elle commence à monter à 26-27 et faut pas trop que ça monte parce qu'il pourrait se transformer en salamandre. J'ai encore des bébés limnés là. Je sais pas si vous allez bien voir. Ça là, ce petit point, c'est un bébé limné, ce truc minus là tout moche. Donc ça va, il mange les algues, donc c'est cool. Alors ce matin, j'ai acheté des cactus, donc j'en ai un comme ça. Donc voilà. Et j'en ai un qui pique fort. Donc c'est provisoire, ça je compte les mettre dans une plus grande jardinière à fleurs évidemment pour pouvoir les garder plus longtemps. Alors ma grenouille toujours, hein, comme d'hab, en pleine forme, elle est là. Attendez, je vous l'attrape pour vous la montrer. Hop, voilà, toujours en pleine forme, cocotte. Voilà, hop. Elle est pas contente. Voilà. Donc elle va bien, elle mange. Tout roule quoi. Voilà. Ma salamandre, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, je l'ai relâchée. Donc ici, c'est mon élevage de grillons. Donc alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer un grillon? Ouais, juste là. Ici, mise au point, mise au point. Voilà. Attendez, j'attends que la mise au point se fasse. Voilà. Comme vous le voyez, là, il mange. Donc, c'est une femelle. Voilà. Je n'ai pas beaucoup parlé. Alors, j'ai acheté des souvenirs, je vous les montrer. Donc, alors, j'ai acheté ça. C'est un iguane sur un bout de bois. J'ai trouvé ça plutôt beau et un œuf en pierre. Inutile. Alors en revenant, j'ai nourri mon gecko qui est ici. On va peut-être pas le voir. Bon, désolé pour ceux qui auraient aimé le voir, mais on le voit pas. Donc ensuite, on va passer au grand. Donc alors, j'ai eu une autre mue que j'ai réussi à garder. Je l'avais promis à un petit, alors je lui ai donné. Je l'ai mis comme celle-là hein, pour pas qu'il l'abîme. Donc alors je leur ai changé la ronce et ils sont plutôt beaux je trouve pour des youps pour des pour cette espèce. Puis ils sont surtout vraiment gros je trouve pour l'instant. Je pense qu'ils sont subadultes. N'hésitez pas à me le dire si vous vous y connaissez dans les commentaires avec la taille de mon poignet, vous voyez. Je pense plutôt qu'ils sont subadultes ou anti-subadultes. Mais n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires à quelle taille ils sont, hein. Enfin à quel stade ils sont. Ça m'aiderait. Donc les Carosus morosus, oui j'ai hésité dans le nom parce que j'ai une nouvelle espèce maintenant. Donc ils vont bien, hein. Ils sont pas mal. Donc voilà. Donc voilà. Voilà. Et la nouvelle espèce, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, désolé. C'est donc des Acryoptera phalax juvéniles. J'ai fait le J à l'envers, je sais. Donc voilà. Alors ils ont pas mal grandi. Je les ai reçus, ils étaient tout petits et ils ont commencé à muer déjà. Alors ils sont pas mal grands. Donc alors voilà. J'espère que j'arriverai à les garder jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Au moins avoir des œufs quand même. Pour vous faire des petits concours. Donc voilà, c'est ma nouvelle espèce que j'ai acquérie il n'y a pas très longtemps. Et ici, on peut voir que mes poissons ont grandi. Donc alors, ouais, je vous avais sorti une vidéo. Ouais. J'avais fait une vidéo où j'avais un poisson lèche-vitre, il me semble. Je suis plus sûre du tout. Il est mort.
Voilà. Parce que j'en avais acheté un, si j'ai pas fait de vidéo sur ça. Et je voulais vous dire aussi, à la fin de la vidéo, vous aurez une petite surprise. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous aimeriez que je le fasse, que je le mette à toutes les vidéos, ou alors que je laisse tomber cette idée-là parce que c'est nul. Et franchement, n'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs qui vont pas ou quoi. Donc voilà. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour dimanche prochain, donc pour une nouvelle vidéo, un nouveau suivi d'élevage, et plus, je n'en ai aucune idée s'il y a besoin ou si j'ai des nouveautés. Donc voilà, c'était Amphimaniacs pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis bah comme d'habitude, bye.